Dans 4 journées mondiales à la femme, Télé Plus vient à la prison des femmes. Ça va une femme là pour expliquer nous notre quotidien, comment ça passait dans la vie de tous les jours, pour cause aussi lors de temps de condamnation, pour raconter nous comment est-ce qu'ils finissent à apprendre beaucoup de choses en prison, comment ils ont une visite passée et comment est-ce qu'ils ont une famille manque. Bonjour madame. Bonjour. Maman, vous êtes bien coquette. Merci beaucoup. Vous mettez maquillage, expressément parce que le bébé est venu là. Merci. Hein? Alors, comment vous appelez? Marie-Josée. Marie-Josée, depuis combien de temps vous là? Moi, là, il y a 5 ans, mais là, il y a 3 ans. D'accord. Et raconte-moi un petit peu, Marie-Josée, au quotidien, ici, avec ma maison de détenue, comment ça passait? Est-ce qu'il est facile? Est-ce qu'il est difficile? Raconte-moi un petit peu. Parfois, il y a des hauts, des bas, mais nous capables, nous sommes capables. D'accord. Et raconte-moi un petit peu tous les jours, comment vous levez, qui vous fait une journée. Le matin, quand vous levez, nous allons au travail. Vous levez, moi, au travail. Et quel travail vous faites? Nous travaillons avec l'administration, le nettoyage. Moi, avec un camarade ensemble avec moi, nous nettoyons. Mais quand nous finissons le travail, là, nous restons assis un petit peu après comment on arrive au deuxième pour déjeuner. Ensemble, avec tous les détenus ensemble. Sinon, qui vous perd prendre, hein, vous me dites moi, ou là pour 5 ans, c'est ça? Donc vous finissez fait 3 ans, reste encore 2 ans. Et qui vous perd prendre comme ça? Mais vous déjà, il finit en prendre mon CMP pendant 1 an. Mais moi, on en prend beaucoup de choses dans CMP. Comme quoi? Comme couture. D'accord. Qui ne pas tu connais comment pour tailler une vase, une jupe. Disons, on en prend tailler une jupe, donc maintenant avec blouse. Et qui au regret? Qui regrette oui, Marie-Josée? Mon regret, c'est qui en fait, vous pas avec mes bons enfants, vous pas avec mes femmes qui m'ont là pour ça. Oui, mais elle est réalité dans la vie. Mais c'est qui moi pour moi, mon pas sagré, mon pas avec mes familles, mais mon content qui m'ont là. Qui fait parce qu'ils m'ont pas beaucoup de choses ici. Et combien d'enfants maintenant? 4. 4 enfants. Oui. Donc, j'ai eu l'occasion de venir à nos oui, visites. Oui. Raconte-moi un petit peu comment ça passait quand je venais. Mais quand je venais, on est chez tout comme dans une nouvelle maison. Mais là, il n'est pas pareil. Nous, ben, les temps quand nous famille venir, nous recevons un biscuit, un bois. Et nous, ben, les temps pour nous manger nos bons enfants. Quel message justement, donc ça peut passer à la radio, quel message qui est pour les enfants qui peut-être peuvent écouter à maman ou famille qui est pour les autres? Mais ce qui est pour moi dire avec mon famille, surtout mon maman qui manque beaucoup, il y en a 80 réponses aujourd'hui. Mais pendant 3 ans qui m'ont fait là, juste des fois, tout mon maman. Mais après, mon papa avait tout dit en cause, jusqu'à quand je suis sorti, mon père a 2 ans là. Mais là, il m'a regardé avec moi parce qu'il est vieux. Deux fois qu'il est là, mon même monde dit pas même encore parce qu'il n'est pas capable. Mais après, je dis à mes enfants, si je peux écouter moi, prends pas chance parce que mon père reste beaucoup pour faire. Et justement, donc, une fois qu'il est sorti, qui a un projet, qui a envie de faire? Mon projet, c'est qu'il a envie de faire parce que je dis aux francs qu'il me design une caisse trafiquant la drogue, mais mon père pourrait le faire avec moi, ça, en gros. Mon projet, c'est que mon travail pour vous-même. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. En tout cas, ça fait même plaisir, hein, trouve-vous ici. Alors, pareil comme Marie-Josée, où est-ce que vous me trouvez? Donc, bien coiffée, bien maquillée. Et comment vous appelez? Ludmila. Ludmila, d'accord. Et Ludmila, depuis combien de temps, là? Ça fait le temps depuis moi. Ça reste beaucoup, dépend de travail, parce que je fais réunion. Ils ont rempli plein de surprises et nous avons des bons comportements. Et nous ne pouvons pas faire. D'accord. Donc, vous dites moi depuis 9 ans ou là, c'est ça? Et raconte-nous quand on rentre là, comment ça s'est passé? Quand je suis venue là en 2007, je suis enceinte de 2 mois et demi. Et mon procès se passe dans la prison. Et il y a un traitement. Nous avons un nécessaire, nous avons une nurse qui est nous. Nous avons beaucoup facilité aussi. Et puis, dans 9 mois, mon accouché, je fais césarienne, l'hôpital de Nord. Et comme je retournais, il y a une place avec Moses qui nous séparait avec 22 camarades. Comme ce qu'ils nous ont enfants, j'ai vu nous dans le lieu qui avait Moses. Là-bas, nous avons une couche, une gilet,
nous avons tout le nécessaire que nos enfants ont besoin. Même quand on pense qu'il arrive 3 ans, tout dans l'école maternelle, et aussi dans la crèche, qui, quand les enfants sont à l'école maternelle, ils vont dans la crèche là, qui n'ont pas besoin, en fait, prison, c'est prison, qu'ils ont une grandi dans notre environnement aussi. Et quand tu es là, où tu enseignes 2 mois et demi, et est-ce qu'il à aucun moment pas de sentir tout seul dans cette situation là? Oui, premières affaires, ou là avec la famille, et là avec les anglais aussi. Et Luna, elle m'a fait faire. Luna a une camarade qui veut bon courage nous. Et Luna va nous ficher aussi. Même petites affaires qui gagnent, premières affaires qui nous famille, ouais. Premières affaires, nous voyons camarade et vos fichiers. C'est du même qui peut prier avec nous. Et de moi, ça fait 9 ans qu'ils sont là, mais est-ce qu'ils ont 10 enfants encore ici avec vous sinon? Non, il y a 5 ans, monsieur qui me prend la gode, mais je t'ai amené visite. D'accord. Je t'ai amené visite, nous en contact avec son papa, il peut grandir, mais. Et dans certaines choses, il est oublié pour prison, mais dans certaines choses, il rappelle. Justement, c'est même qui fait bonne activité, ou peut dire même la pâtisserie. La pâtisserie, c'est qu'il a une expansion de nous. Oui. Nous avons un salon, nous avons une pâtisserie, nous faisons du yoga, nous avons une salle d'exercice, et nous avons l'appareil, galopé, ça va nous faire là. Et nous avons une ONG qui vient faire Haïti. Et vous pensez que je bien entretenir les autres, je fais des sourcils, de zones, et. Il y a aussi un salon, c'est ça? Il y a un salon aussi. Côté de la madame, je fais coacher. Même si je fais un cours esthétique, je vais demander pour nous gagner un certificat. Je pense que c'est de rester, nous faire des tics, nous faire manipuler, nous faire pédicure. Nous avons beaucoup comme nous, puis nous avons un certificat. Et qui aura un projet pour sortir? Sortir, travailler, avec des enfants, moi, avec une famille. Est-ce qu'il y a un père, regard des autres? Oui, beaucoup. Pas très regard des autres, mais quand tu as tout ça dans les affaires qui peut passer dans la radio, la télévision, la vie vient dans les vidéos. Dans une certaine façon, on ne peut pas dire que les gens sont bons. Mais c'est moi, non sécurité. Mais là, tout ça va être qu'il peut tomber là. Pas connaître qui peut arriver, Léo. Vous pensez aux familles, pas accepter où Non, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Emma, bonjour. Bonjour. Alors Emma, d'après ce qui m'a étendu, tu es un bon cuisinier. Hein? C'est toi qui fais la cuisine, quand on a mal fait, quand on a la Pâque, le Diwali, etc. Bon, et que tu as appris à faire la cuisine? Ici même. Ici même? Oui. Et ça fait combien de temps que tu es là? 6 ans. 6 ans? 6 ans, mais un des ans encore. D'accord. Et ça passe vite, ça. Oui. Hein, un petit peu patience. Oui. Hein? Alors raconte-nous un petit peu, toi, quand on a mon activité, apparemment, madame, et moi, tu envoyais la liste pour dire, il a un gars qui a un petit barata. Raconte-nous un petit peu comment ça passait. Oui, une liste qui est en sort de la cuisine, je fais des monnaies. Là, il prépare un papier, il y a une liste en sauce. Là, il y a un papier là. Après, là, une fille, quand il y a une fille qui fait un petit peu près, elle me fait une frère, une fille rôtie. Mon petit pourri, priami. Et comment ça passe pour toi au quotidien? Et passe bien, la journée passe bien. Et pas qu'elle est trop stressée, c'est tout ça là. Alors, tu es dans un enfant? Oui, mais tu fais. D'accord, souvent les de toi? Oui, les vignes. D'accord, il va poser une question, tout ça là. Non, il pose moi, mais. Parfois, comme je dis, comment on fait faire, comment on gagne visite, tout ça là, comme explique. Je ne sais pas trop quoi, moi, parce qu'il est où, pas tu fais, ça va nous faire là. Quand on vient ici, on apprend, on m'explique, premier travail que je fais, quand on vient de la prison, on fait l'exercice. Je peux montrer ma femme ici, faire l'exercice, faire zumba. Après, me faire des ans pour me pratiquer, me rendre à la cuisine. Là, je fais 3 ans pour me rendre à la cuisine. Alors, ce qui veut dire qu'ici, par exemple, toi, tu peux dire, tu commences à faire l'exercice. Te montrer aussi ben, les autres comment faire. Oui, non, donc, c'est l'excellent talent, tu es capable de dire, elle est là, tu viendras faire ça dans les affaires là. Oui, oui, on viendra. On fait un peu de tout. Et quel est le regret qui te donne? Est-ce qu'il te donne quelque regret? Non, mais quand on vient ici, on n'a pas beaucoup de choses. Je connais qui m'a capable de faire, mais dehors, tu peux tout ça là. Tu vas me faire couper, manger, capable. Enfin, nettoyer,
Et te presser pour être autrement de famille et tes enfants. Oui, mais là, tu fais, mon frère, pas perdre ta main, Léo. Peut-être qu'ils se payent contre nous, en tout cas, pas jeter un message. Et c'est mon cas, ils ont un courage, bon, j'ai donné un courage parce qu'ils m'ont fait prendre courage, moi. Et ils m'ont fait un beaucoup, je Et que bon projet, hein, dis-moi, dans 2 ans, on peut sortir. Comme sortir, en fait, comme je dis, quand on peut manger tout ça là, c'est vraiment bien, ok, mais le problème, comme on peut sortir, c'est pour faire une petite place pour moi. Mm-hmm. Et on est fait un petit snack. Sabina, bonjour. Bonjour. Alors, ici, comme maman et madame, vous trouvez au très chic, hein, tirage à lèvres. Mm-hmm. Alors, ça va, depuis combien de temps vous là? Depuis 2 ans, ça fait 2 ans que Depuis 2 ans, et quand vous sortir? Et encore 8 ans. Encore 8 ans. Est-ce que vous trouvez ça dur ou vous trouvez ça beaucoup? Au commencement, comme tu m'as dit, c'est assez dur. Parce qu'il est loin, il est plus parents, les enfants, tout ça. Mais à la longue, je commence à habiter avec mon réfugié, habiter avec l'environnement, puis ici nous trouver, ne pas rester à saisir, rien faire. Des bouches qui m'ont venu ici, je me suis beaucoup court. Par exemple, moi je suis au salon. Moi, je travaille 26 jours, je dis qu'on finit pour des naises, on va prendre une jupe, on va prendre une blouse, on va prendre beaucoup de choses encore, comme tablier, comme tu laisses pour bébé, comme notre détail, tout ça. Tout ça, on va prendre. Donc, je gagnais ma facilité pour faire ces bonnes affaires-là ici. Oui, j'ai une absolue facilité là. Mm-hmm. Je suis même entraînée pour coudre, je suis même entraînée pour faire salon. Mm-hmm. Coupe-cheveux pour faire la coupe. Mm-hmm. Est-ce que tu trouves ça difficile quand tu fais te rentrer ou connais qui ou pour la pendant 10 ans qui, ou, dans quel état d'esprit où tu étais, comment où tu sentais? Où tu vis beaucoup, c'était ici, comment tu fais clinique. Mm-hmm. Ici, il y a la main d'officier, une cause avec moi, une réunion avec moi, une réunion avec le moral. Mais là, c'était tout moi bien, moi à l'aise. Moi, j'ai une journée full m'occuper. Mm-hmm. Ici, mauvaise dame. D'une place qui appelle Gaudémia. Là-bas, toutes les choses nous font pour nous-mêmes. Nous travaillons, nous faisons le matin, nous commandons la case, nous avons 8 mounes, nous levons, nous nettoyons pour tout côté nous, nous-mêmes, nous manger. Après, nous travaillons à 8h comme ça, on travaille avec un officier en sauce qui fait la réhabilitation de mon travail. Il y a un ONG qui est venu, après il y a une classe qui m'a mis faire. Mais là, moi, c'est mon camarade qui m'a amené pour apprendre ce que c'est mon ONG là, pour qu'on exode. Après, pour me suivre un coup, quand il y a yoga, il y a une classe yoga ici, nous faisons yoga, nous faisons l'exercice, nous travaillons un autre temps dans le colo en pâtisserie. Il y a beaucoup de femmes qui apprennent, pâtisserie. Il est facile, vous avez énormément de gens qui sont ensemble. Est-ce qu'il est facile pour. Si vous pensez que ça connaît dans son caractère, etc., est-ce qu'il est facile pour cohabiter ensemble avec les autres? Oui, il n'est pas difficile. Il est facile. Mais il est pareil comme un vidéo. Parce que pareil, quand on a des enfants, tout le monde n'est pas pareil. Ça connaît quand même son caractère. Mais si nous sommes bien pour lui, léger, nous pas. Nous-mêmes, nous disons stressés, nous pas contraints, nous disons quand un camarade est stressé, nous disons sous l'asile. Pas non plus, nous prenons rien de stress, nous disons pas qu'à rester ensemble avec nous. Nous restons encore ici, tous les temps. Alors justement, on pose aux enfants, est-ce qu'il y a des enfants, ça vous dit? Oui, on a des enfants. D'accord, c'est avec Sébine et tout? Oui, on doit couvrir et tout. Et on verra comment ça passait quand j'ai fini. Je ne peux pas prendre une visite ici, ça. Un mois, deux fois, chaque 20 jours, j'ai une visite. Et une visite durait 30 minutes. Et vous pensez quand vous êtes allé, c'est très difficile pour vous, et même pour vous aussi? Oui, ça a été tout à fait difficile. Vous avez un petit regret, Sabina, quelque part? Oui, j'ai un regret seulement pour me loin avec ma famille. Mais seulement à la prison, nous bien tranquilles, nous bien entourés. Et Sabina, où, une fois que vous sortiez, qu'est-ce que vous pensez vous faire? Moi, premièrement, ici, on apprend beaucoup de choses. Mm-hmm. Ça m'a tout ce que je ici, là. Pour vous mettre en pratique. Mais c'est mal, trop beaucoup de choses, moi, quand soit en même temps. Qui vont vous faire. Mais je ne peux pas encore bien décider.
Papa me prend encore quelque chose qui me prend encore à prendre là. Mm-hmm. Il a encore beaucoup de projets ici. Quand mon papa prend encore, après, il a beaucoup décidé de me dire qui m'a encore à faire. Et la prison des femmes, c'est une prison qu'il a construite depuis 1957. Et actuellement, nous avons 111 détenus plus 7 bébés. Nous avons une unité à part pour les enfants. Mm-hmm. Et nous avons un residential block pour les détenus. Mm-hmm. Et nous avons plusieurs sections, la cuisine, le tailoring, et l'administration, le bloc administratif. Et voilà, tout se passe bien. Voilà, c'est une prison. Nous avons 39 étrangères. Madame, ce sont des personnes qui ont un problème dans toute la vie. Et ils ont une occasion, c'est-à-dire qu'ils ont été condamnés par la cour, ils ont été mis en prison. Et ici, nous donnons la chance pour être réhabilités. Mm-hmm. Nous travaillons, ce n'est pas seulement nous tournons la clé dans la porte, c'est pas nous faisons condamner, nous faisons du monde dans le non. Nous travaillons, c'est un travail formidable, c'est un travail de réhabilitation qui nous réhabilite, c'est une personne qui vient de prison. Nous faisons la discipline, nous faisons la discipline, la réhabilitation, nous supervision. Et la réhabilitation, de nos jours, nous faisons ça pour pas faire pour ne pas détenir, pas retourner dans prison. Nous faisons tout notre mieux avec le programme qui nous paraît, avec nos plans de stratégique de 10 ans. Qui nous préparait avec le commissaire, qui nous servit ça. Et voilà la réhabilitation. Il y a beaucoup de programmes qui nous font pour les détenus. Et bien, madame, là, vous êtes capable d'intégrer, vous êtes vraiment, nous préparer pour réinsérer la société quand vous êtes sorti. Vous êtes capable d'avoir des outils dans votre armée, vous êtes capable de déboutler vos propres pieds, vous êtes capable de travailler, vous n'avez pas besoin de parler aux personnes. En premier, je ne sais pas tellement connaître qui est là, qui peut arriver là-bas. Mm-hmm. Parce que déjà, je suis habituée de sa prison là, ici pendant combien d'années. Mais petit à petit, après qu'il finit counsel, je finis dire que un peu une opportunité qu'ils ont pour gagner là-bas. Alors je finis décider, je dis que je vais faire un essai. Mais une fois je finis rentrer là-bas, je trouvais qu'il y a moins de discipline. Bon, discipline est là, mm-hmm. mais comme je dirais, moins de stress aux autres, parce mm-hmm. qu'ils n'ont pas tout à fait derrière eux. Nous donnons la possibilité de prendre eux-mêmes ensemble.